Une émission proposée par Hype FM. Il est de ces hommes qui marquent l'histoire. Pas connu de tous et mal connu des siens, Christapor est l'incarnation de l'action et la raison d'un parti, la FRH-Tankutun, qui a su changer la donne à la fin du XIXe siècle, une époque où injustice et exaction étaient le pain quotidien des Arméniens, individus et peuples. C'est pour parler de Christapor Mikhaïlian, notre Christapor, comme le disait Pierre Quillard, que nous avons souhaité inviter Alain Krikorian, éditeur et auteur de livres scientifiques, et surtout auteur aujourd'hui de deux ouvrages dédiés à Christapor Mikhaïlian, justement, qui viennent de paraître. Bonjour Alain Krikorian. Bonjour. Nous avons une heure et quart pour parler de l'histoire d'un homme qui, comme je disais, a marqué l'histoire. Par sa présence, par sa raison, par sa logique, par sa puissance, par son charisme. Tellement de choses à dire autour de cet homme. Une heure et quart, c'est très peu, surtout que vous avez édité deux ouvrages, pas un seul, mais il y en a un qui est complètement dédié à Christapor Mikhaïlian. Et pour la première fois, on a une biographie assez complète, même si vous allez me dire ça n'est jamais complet parce qu'il y a tellement de choses et de documents à trouver, à chercher autour de Christapor Mikhaïlian. D'abord, vous, qui êtes aussi membre de la FRH Tankutun depuis de longues années, qu'est-ce qui vous a motivé pour sortir aujourd'hui ce livre, on va le dire, assez complet sur Christapor? Merci de m'avoir invité pour parler de Christapor Mikhaïlian. C'est vrai que, comme vous l'avez souligné dans votre introduction, c'est un personnage d'exception, fascinant. Et comme tout peintre, tout sculpteur, on s'attache finalement à son modèle. Et moi, au fil des années, parce que je crois que ça fait 6 ans que je travaille sur le sujet, et pas seulement sur Christapor, bien sûr, aussi sur l'ensemble des problématiques qui entourent Christapor, également avant lui et après lui, je me suis rendu compte que ce personnage était à la fois un être complexe, mais linéaire. Et qu'au fil des années, je me suis attaché comme un être, fascinant. Alors, je connaissais bien sûr Christapor Mikhaïlian de nom, je suis membre de la Fédération révolutionnaire arménienne d'Ashtag-Soutun, donc je ne peux pas ne pas connaître. Mais, comme la plupart de mes camarades, j'avoue qu'avant de lire passionnément son sujet, j'ignorais le personnage. D'ailleurs, d'une manière générale, le personnage est assez ignoré. Il était même ignoré de ses propres camarades, parce qu'on verra peut-être au fil de notre discussion, un personnage de l'ombre en réalité. Le petit-fils, à Genève, à Paris, etc. Les camarades le connaissaient mal. Je raconterai, si on a le temps, une savoureuse anecdote à son sujet, qui montre combien les camarades ne le connaissaient pas, mais ils le vénéraient déjà. C'est ce personnage-là, assez complet, dont j'ai voulu raconter l'histoire. Alors, on parle ici d'histoire, mais vous n'êtes pas historien. Il y a un travail d'historien quand même, mais en même temps, vous avez gardé, peut-être pour que ce soit accessible au plus grand nombre, un style d'écriture qui puisse être savoureux, agréable, facile. Oui, c'est la raison de le dire, parce que, bon, je ne suis pas un historien, mais j'ai quand même lu tout ce qu'il est humainement possible de lire à son sujet comme à ceux qui l'entourent. Je crois que j'ai calculé 50 000 pages, dont 40 000 en arménien, et en particulier dans l'arménien malheureusement d'aujourd'hui, c'est-à-dire que cette orthographe à laquelle il a fallu que je m'habitue un tout petit peu, qui fait qu'à la fin du fin, j'arrivais mal à parler l'arménien oriental, la grammaire occidentale, je mélangeais un peu les deux orthographes. C'était pas simple. Mais j'ai donc lu beaucoup de choses, et en particulier en Arménie, d'abord à la bibliothèque de la Malofiane du parti de Yerevan, mais j'ai eu la chance d'accéder à la Bibliothèque nationale d'Arménie, dont le président à l'époque était d'ailleurs un de mes camarades du parti, et qui le jour de leur rencontre a été d'ailleurs évincé par le gouvernement d'époque. Mais le temps de le rencontrer, j'ai eu accès à tous les documents. Mais la rencontre la plus intéressante avec l'Arménie, c'était la rencontre avec le directeur des archives de l'État d'Arménie.
Amadouni Virapiana. Or, une famille bolchevique, mais lui-même est un grand historien. Et quand il s'est rendu compte que je parle l'arménien comme lui, puisque Dieu merci, ma mère est en train d'arménien, j'ai accès à cette langue, il m'a dit, écoutez, tout vous est ouvert. Et j'ai découvert dans les archives du parti, et des partis, puisque, entre parenthèses, une section spécifique. Alors, le bâtiment sur la grande avenue qui s'appelle Barramiande, vous avez à l'époque, de l'époque communiste, un bâtiment entièrement dédié aux archives du Parti communiste. Après le collapse, après la chute de l'Empire soviétique, ce même bâtiment a été consacré à l'ensemble des partis politiques, et y compris au parti de la Stadtsuche. Et grâce à ce que j'ai découvert, grâce à Bandi Valada, mais aussi grâce à mes camarades Kévo Koutignan, qui avait été le directeur de VM. Un journal très sérieux, très intéressant. Et qui est une reprise de qualité de Stigny Valatian, qui avait fait à Paris pendant quelques années. Donc, grâce à tout ça, j'ai découvert des éléments. Justement, il y avait des essais, des tentatives de tracer la biographie de Christophe Mikaelian dans le passé, surtout les volumes de la FRA, qui sont publiés depuis quelques années à Beyrouth, il y en a peut-être 9 ou 10 aujourd'hui, ce sont des notes, pour ainsi dire, de l'histoire de la FRA, que ce soit sur les personnages ou sur les congrès ou sur les archives, les lettres, les correspondances. Il y a tout pour, concernant cette première période. Et je suis certain que vous avez puisé pas mal d'informations là-dedans. Oui, ça a été une des premières sources. La première source, ça a été le numéro spécial de Geiser, paru en 1985 à Beyrouth. Je crois même que vous avez été mêlé à cette publication en tant que tout jeune militant, c'est la bonne mémoire. Donc, peu importe, c'est pas le moment d'en parler, mais c'est le numéro spécial qui m'a touché. 200 pages, un peu plus peut-être. La deuxième chose, c'est que la partie de la Tchèque avait pris une très heureuse initiative, c'est de publier les archives du parti. À ce jour, c'est 10 exemplaires du parti, sur les premiers volumes, du volume, qui font chacun, tous les premiers volumes, entre 250, 300, 400, 500 pages. Ça fait donc pas mal de volumes. Donc, une grande partie consacrée justement à la période couverte par Christophe Mikaelian. Et ça m'a beaucoup intéressé parce que non seulement on publie toutes les archives, mais la FRA l'a fait en toute transparence, y compris dans des périodes difficiles, y compris parce qu'il y avait des conflits, des controverses, des discussions, et tout ça est d'autant plus intéressant que ça montre à quel point la FRA n'est pas un parti monolithique, mais un parti où il y avait différentes choses qui s'exprimaient. Donc j'ai eu accès à cela. Mais au point de vue de la biographie de Christophe, il n'existe pas. Il n'existe pas de biographie de Christophe Mikaelian. Par contre, il y a ses écrits. Alors, c'est très intéressant de savoir que aujourd'hui encore, les écrits de Christophe, on peut le dire. Alors, je vous arrête tout parce que vous avez raison de parler des écrits. Parce que je n'ai pas terminé sur la biographie. Parce que ceux qui ont écrit sur lui, ce sont les gens de l'époque contemporaine de Christophe. Alors, je cite Aravi Zarlonian, 124 pages là-dessus. Il y a Valentin, bien entendu, qui était son plus proche collaborateur. Il y avait aussi d'autres personnes, mais Chivan Zadeh, on ne sait pas assez, mais Chivan Zadeh a écrit des pages savoureuses dans Yann Kipovitz, qui est un ouvrage merveilleux, alors que c'était un adversaire à la fin du fin. Flamian, qui est un des grands philosophes du parti de la Stadtsuche. Voilà pour les contemporains. Je ne parle pas de Valentin qui n'a pas connu Christophe. Quant à lui, qu'a-t-il écrit au fond? C'est intéressant de savoir ce qu'il a pu écrire. Tellement occupé qu'on te demande qu'il a écrit des choses. Et il a écrit des choses extrêmement intéressantes. Un, les éditoriaux dans le journal Trochak, bien entendu, il faudrait même faire un recueil qui n'existe toujours pas. Il y a ses propres souvenirs, malheureusement inachevés, vous avez dû le noter quelque part. Pégor Béhouchéliste, donc des fragments, des lambeaux, des souvenirs, malheureusement inachevés. Il s'arrête à une époque trop récente. Et troisièmement, c'est Erabrogan et Mikkel, qui sont le recueil des cinq principaux articles de fond de Christophe Mikaelian. De fond. Et en particulier, un article dont je recommande la lecture à tout le monde,
on comprend de la c'est-à-dire la logique des masses, qui rappelle d'ailleurs un autre sociologue français qui s'appelle Gustave Le Bon, qui avait fait aussi un bouquin un peu comparable, La psychologie des fous. Voilà un peu ce qu'elle écrit, Gustave Le Bon. Alors, plongeons dans l'histoire de Christa Paul. Vous avez découpé cette vie en quatre parties. Il faut le dire, il est né en Nakhitchevan, dans la région de Dakoulis, dans ce village d'Dakoulis, ou une ville, vous allez nous le dire. Et puis, il part plus tard à Tiflis. Il part également à Moscou pour une courte période. Et à partir de là, quand il est rentré à Tiflis, en Géorgie, où, il faut le rappeler, on ne parlait pas à l'époque beaucoup d'Erevan, mais c'était l'Arménie, les Arméniens étaient entre Polis et Tiflis, et pourquoi pas un peu à Bakou. Donc à Tiflis, c'est la naissance de la FR d'Ashnaktoun. Mais parlons deux mots. Le Christopher, l'enfant, le jeune, parce qu'il est orphelin à 10 ans, il est repris, pour ainsi dire, par son oncle qui s'occupe de lui comme il le faut, et lui permet aussi, grâce aussi au curé du village, d'accéder, parce qu'on voit en lui quelqu'un de très intelligent, de brillant, déjà enfant. Donc, pour la suite. Alors, on n'a pas le temps, bien sûr, en une heure et quart, mais c'est impossible, ça ne peut pas d'ailleurs souhaitable, je préférerais que les gens lisent le livre, bien entendu. Alors, c'est vrai, il y a une partie, mais j'ai divisé mon livre en 15 chapitres. Le premier, c'est quelque chose que personne ne connaît pas vraiment, c'est l'enfance et l'adolescence. Vous l'avez dit. Est-ce que je dois y revenir? On peut aller très vite parce qu'il y a tellement de sujets. Oui, il y a beaucoup de choses. Alors, en France, elle est bien connue. Alors, ce qui est intéressant, quand même, c'est que son père s'est remarié parce que sa femme, donc la mère de Christa Paul, décède. D'ailleurs, la famille est décimée puisque les deux frères de Christa Paul, morts, meurent, emportés par une épidémie choléra en 1864, alors que lui est encore tout jeune. Il lui reste donc ses sœurs. Donc, on a eu la toute petite, ça s'appelle Manchak. Et avec elle, il y a deux orphelines, lorsque le père mourra à son tour, et bien elles vivent une vie de papatachon, d'ailleurs je raconte un peu leur histoire, jusqu'à ce que lui, il rentre à l'école par les bienfaits de son tuteur, c'est-à-dire le fils de son oncle. Les tuteurs sont un peu bizarres comme personnage, mais celui-là est bien. Il me met à l'école, et il est probable que le petit amour l'ait eu comme professeur. L'épouse de son père, qui n'a pas des attaches particulières par rapport aux enfants de son mari, donc Christa Paul et ses sœurs, malgré tout, lui inculque un certain savoir et le met sur le droit chemin concernant ses études et l'apprentissage. Tout à fait, exactement. Donc, vous l'avez dit, je ne reviens pas. Alors, c'est un brillant. Et en même temps, il n'y a pas comme son père. C'était un homme de médiation. Il est choisi systématiquement par ses condisciples de l'école comme le délégué de classe. De même que son père était considéré comme étant un peu le juge des conflits de la vie d'Akoulis. Deux mots sur Akoulis quand même. Parce que je consacre deux chapitres presque complets sur la ville de Akoulis, en fait, ville d'Akoulis, où est né Christa Paul. Parce que c'est une petite ville du Corton, donc c'est la Corton ici, donc on arrive déjà vers le bas, vers Mairie. Et il se trouve que cette petite ville de Villanagoulis a été considérée par tous ceux qui y sont passés, des voyageurs. Madame Chantre, par exemple, qui est une grande sociologue française de Lyon, et qui a décrit la Villanagoulis comme étant le petit Paris et le Corton comme la petite Suisse. Une région absolument extraordinaire, où les gens sont cultivés, aisés, et en même temps, des êtres totalement dévoués aux armées, ce qu'on verra tout à l'heure. Voilà pour la jeunesse, la prime jeunesse, jusqu'au jour où on considère qu'il ne peut pas rester à la coulisse. Il est bon pour être instituteur. C'est ce que dit Rolandien, quelque part, l'idée de son destin, c'est d'être autre chose, bien entendu. Mais on l'envoie à l'école des instituteurs de Tiflis. Où il arrive, bien entendu, en 1974. Et là, c'est la deuxième partie dont vous avez parlé tout à l'heure, et c'est la vie atypique du jeune Christa Paul Mikhaïlia. Alors, tous ses camarades le disent, c'est vrai que c'est pas un grand homme, en taille, c'est pas un super bon parleur, mais en tout cas, il a une influence
sur ses proches, sur ses amis. On le distingue par des qualités qui sont peut-être pas trop visibles, mais en tout cas, il a un charisme extraordinaire, déjà à l'âge de 20 ans. Alors oui, ça, c'est, pour moi, c'est exceptionnel, ça. Parce que, d'ailleurs, je pense à Rabouni, qui disait, quand il faisait l'éloge funèbre de Christa Bosch, que ce n'était pas un être supérieur, etc. Ce n'était pas un orateur non plus. C'était ce qu'on appelle un faiseur d'hommes, Martakos. C'est-à-dire qu'il faisait les hommes parce qu'il avait un charisme, un ascendant naturel, qui fait que cet homme-là, toute sa vie, a systématiquement été l'homme vers qui convergeaient tous les regards lorsqu'une première difficulté, un premier obstacle se présentait. Alors, que a été utilisé à multiples reprises quand il était à Genève, le rédacteur en chef de Trochac, qui était l'organe de presse de la FRA à l'époque, et toujours aujourd'hui, on disait, on rentrait chez Dissapol dans son bureau, et on en sortait transformé. Donc, comme vous dites, un faiseur d'hommes, c'était vraiment, il pouvait... même quand il chez Vanzaté dont vous parlez, il lui demandait d'écrire et l'autre il disait je suis un artiste, je suis un écrivain, je ne suis pas un propagandiste. Donc il arrivait quand même à séduire et à convaincre. Alors, on va faire un petit saut, je vais maintenant pas dans l'espace, mais dans le temps. J'ai regardé un peu tous ceux qui ont écrit sur Christa Bosch, qui ont apprécié Christa Bosch. Alors c'est une unanimité quasi totale. À l'exception de quelques camarades du parti de l'HK qui l'ont roulé un tout petit peu. Ça, les lecteurs le découvriront pour des raisons diverses et variées. Mais on verra cela dans les rapports des congrès. Ah, bien sûr. Alors, ça chauffait vraiment. J'ai lu Chichon Vazade a dit des choses extraordinaires. Chichon Vazade n'est pas un HK. Comme vous l'avez dit, il ne veut même pas rentrer dans l'équipe de Trochak. D'ailleurs, il y a tout un passage savoureux. Enfin, j'estime que c'est intéressant ce dialogue entre les deux. Hein? Et ça, c'est tout à fait intéressant. Ce qui n'empêche pas Pachin Vazade, d'ailleurs, qui dit que la politique ne m'intéresse pas, de rentrer au parti de l'HK par la suite. Et de le quitter un an plus tard. Tout comme avait dit Kiskarian, comme Arayan, et puis quelques autres. Et il y a toujours, bien entendu, aussi. Mais je voudrais signaler une phrase de Pierre Guillard. On en parlera peut-être en premier média tout à l'heure. Mais Pierre Guillard, qui l'a rencontré à Paris à plusieurs reprises, disait ceci. C'est de dire quelle impression il faisait sur les hommes. Et puis, songeant à la question arménienne, je n'ai jamais rien dit, rien écrit ou fait, sans me demander au préalable ce que lui, Christa Bosch Mikhaïlian, aurait pensé, dit et fait dans les mêmes circonstances. Pierre Guillard. Et tous les autres sont de la même nature. Alors, parlons de Tiflis. Avant la période révolutionnaire, évidemment, on va rappeler nos auditeurs qu'avant le Tachnak de Tune, avant les Aminagan, il y avait un mouvement déjà qui était né. Ensuite, les Hachagan, qui sont présents depuis les années 87. Et à Tiflis, on commence à regrouper tous ces révolutionnaires pour former un grand parti. Mais, avant cette période, l'Istabot est là. Il a des rencontres et ça bouille dans l'esprit de ces jeunes Arméniens, dont d'ailleurs aussi Simon Zavrian, avant qu'ils partent tous, presque tous, à Moscou pour des études. Quelle était l'ambiance à Tiflis? Alors ça, c'est une question d'autant plus intéressante qu'elle explique un peu tout. D'abord, les jeunes Arméniens de province, on dira province pour simplifier, elle allait soit à Saint-Pétersbourg, soit à Moscou, soit à Tiflis, soit à Chibiatin. Pourquoi? Ça dépendait de l'argent de leurs parents. Alors, les élèves fortunés allaient soit à Saint-Pétersbourg ou à Moscou, moins fortunés, ils allaient à Tiflis, pour les grandes écoles de Tiflis, à Nécessian, par exemple, de Rajalan, ou alors, quand on avait un peu moins d'argent, on allait à Chibiatin. Lui était de ceux qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Donc il va à Tiflis dans une école de formation d'instituteur avec de l'obligation imposée pour le conseil de venir à Agulis, de venir à la ramasse en Agulis, pour retourner à Agulis pour enseigner pendant la durée de votre enseignement à Tiflis. Et il le fera d'ailleurs. Voilà en gros, quand il est à Tiflis, il a lui déjà, en tant que homme de réflexion, mais homme également rebelle à l'injustice et tout ce qui est inéquitable, il rentre déjà dans la partie qui s'appelle le Narodnaya Volga, qui est en partie un mouvement populiste. On ne parle pas maintenant de mouvement arménien. Non, il commence par ça.
Le premier contact avec la révolution au sens général, ce n'est pas le nationalisme, la lutte de libération internationale, c'est le contact avec l'internationalisme, ce qu'on appelait d'ailleurs d'abord, en termes plus généraux, le cosmopolitisme du mouvement de la route d'ailleurs du droit. Il y a un grand débat dans ce mouvement, est-ce qu'il y a incompatibilité entre le grand débat et le Sapor qui commence par l'internationalisme, il y a l'intelligence, et je dirais même la lucidité, de commencer à faire la différence entre les deux, mais sans renoncer à l'internationalisme, de virer, de muer, de muter, je dirais même, avant les autres, vers une espèce de nationalisme au sens 19e siècle du terme. Alors, on est dans une période de fermeture des écoles arméniennes, d'oppression. Vous parlez de Moscou, pourquoi il y avoir Moscou? Non, ce n'est pas tellement pour faire des études. Parce qu'on ne pas choisir pour faire ça. En 1885, après l'attentat contre Alexandre II, le tsar russe qui meurt sous les coups justement d'une armée royale, son fils Alexandre II lui succède. Et qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'ouvrir le régime, il le ferme. Et plus que ça, il signe un décret de fermeture de toutes les écoles arméniennes du Caucase. 20 000 élèves dans les rues. 1000 anciens étudiants dans les rues. Donc toute la jeunesse est totalement désemparée. Le seul à protester, qui sait? Ah, il est seul à protester. C'est le Christian Paul Michael. Avec son ami Gabriel Lisoyan. Comme lui, la Zoc. Les autres sont les habitants du Corton. Et qui proteste, et qui placarde. Personne ne réagit. Du coup, de guerre là, il n'y a pas de travail. Tout le monde va à Moscou. Et là, effectivement, il passe un an et demi à Moscou. Ce qui n'empêche que dans le même temps intervalle, qu'est-ce qui se passe? Des petites révolutions, des petites révoltes de Zeytoun, qui retournent, on a entendu. La révolte d'Arabie, des petites révoltes à Azouroum, des petites choses comme ça se font. À Havan, par exemple, se crée à l'initiative de Poutoukalian, le directeur du journal arménien, qui donnera naissance plus tard au parti arménien, après Arménien. Il y a un moment qui se fait, ça fait Séfrage, par exemple, à Havan. C'est Séfrage parce qu'il dessinait, il peignait des grands noirs sur les Arméniens, dont ils sont. Qui attendent de l'achat. Je suis prêt, c'est ça que ça veut dire. Mais ça ne tient pas longtemps, tout ça. Alors, le premier mouvement le plus important, c'est la partie Arménagan. En 87, à Havan, dans l'Avance de l'Agan. Mais les locales. Le deuxième mouvement, c'est 87, deux ans plus tard, je le dis pour l'histoire, tout simplement. Parti de Jacques, à l'initiative d'anciens, d'ailleurs, dans la zone arabique du mouvement, auquel, d'ailleurs, participait Jacques Christophe. Donc, ces gens-là, ils sont tentés par le marxisme et l'anglisme, et ils font le parti de Jacques en 87. Donc, je raconte l'histoire de la licence dans le livre. Donc, les Jacques, s'il en reste encore, pourront voilà, peut-être découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas, pourquoi je le connais, parce que j'ai eu affaire à leurs archives. Et puis, trois ans plus tard, le parti de Jacques. On va y arriver, mais avant, il faut tout simplement redresser le tableau de la situation politique. On l'a dit, dans le Caucase, c'est Nicolas III qui... C'est l'oppression. Et à l'Est, donc dans l'Empire ottoman, c'est les Tanzimates, il y a des tentatives, il y a les conférences de Berlin, de Saint-Stéphano, il y a des échecs liés à l'incapacité des Arméniens de faire face à la fois au sultan, mais en même temps à ne pas pouvoir... avoir à leur côté les puissances occidentales. Bref, les Arméniens subissent les pires exactions jusqu'au jour où ils n'en peuvent plus et ces jeunes commencent à se révolter. Donc, parlons de l'organisation et la montée de cette nouvelle force qui est la Chnaktutyun et qui s'appellera d'abord la Fédération des révolutionnaires arméniens avant de s'appeler la Fédération révolutionnaire arménienne. Alors ça, c'est une des questions centrales. Lui, il faisait au cœur. D'ailleurs, je constate la naissance de Jachak-Soudioun, 35 ou 40 pages, et au premier pas de Jachak-Soudioun, il y a vraiment un autre chapitre qui fait en gros 30 ou 35 pages. On m'a posé la question, un certain nombre de gens, pourquoi est-ce que le parti de Jachak a été créé alors qu'il existait déjà deux partis, un parti arménien, plutôt libéral, plutôt qu'on dirait sur les ancêtres, le parti de Rangava, en quelque sorte, d'une certaine façon. Et bien pourquoi est-ce que le parti Rajak existant, vous avez voulu créer également? Alors l'histoire commence d'une autre façon, en réalité.
Le parti Hodja veut s'implanter dans l'Empire caucasien, dans l'Empire russe, parce qu'il n'y a pas de structure. Et il envoie un de ses missionnaires, qui s'appelle Ruben Khanazad, un type extraordinaire, dont les souvenirs sont... Il faut lire ça. D'autant plus que lui étant un Hodja, il parle beaucoup de Chastapoche. Beaucoup de Chastapoche et de ses rapports avec lui pendant les mois de la naissance du parti d'Hodja. Comme le lit de la fédération des révolutionnaires arméniens, Hayera pour gagner d'Hodja. Donc il vient de s'implanter. Et il va d'abord à Trévisonde. Pourquoi Trévisonde? C'est une ville verte sur la mer, etc. Mais il a pour cible Tiflis. Et il va à Tiflis et il rencontre là un homme de camarade de son propre mouvement sympathisant. Mais en même temps, lui dit, mais c'est impossible. Comment voulez-vous créer un mouvement marxiste dans un régime marxisant, dans un empire russe, un empire ottoman, surtout l'empire ottoman, où règne l'arriération rurale, la paysannerie, etc. C'est impossible. Nous sommes des socialistes, c'est vrai, mais il faut inverser l'ordre des priorités. Il faut mettre en priorité la lutte de libération nationale et en deuxième position, bien entendu, le problème du choix du régime. Ce que Khanazad accepte. Il se trouve que pendant ce temps-là, pendant quelques mois, il y a tout un chapitre sur la vie privée de Félix Tapoche. Qui a à peu près le même nom, Mikhaïl, et il a une femme, et donc cette femme avoue à Mikhaïl qu'elle est plutôt amoureuse de Christapor que de son propre mari. Donc ce type-là, il raconte cette histoire à Simon Varatsian, à Simon Zavalian, pardon, et finalement, il décide de se séparer de sa femme pour lui laisser le choix d'aller avec l'homme qu'elle aime, mais l'homme qu'elle aime, Christapor. Il n'est pas forcément. Enfin, il est amoureux. C'est un amour silencieux et pas trop visible. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre les deux, mais en tout cas, il ne veut pas heurter son ami. Et c'était impossible pour lui. Donc il décide de revenir, de repartir à la coulisse pour oublier son amour. Mais c'est son amour qui lui court derrière. Je vois que vous avez très bien lu le passage. Alors, ce n'est pas de, en parlant de cela, faire du bling-bling, pas du tout. Parce que la problématique, justement, des rapports entre les Arméniens, les Caucasiens, les peuples algériens et les Russes, sont tellement complexes, tellement compliquées à comprendre que, inévitablement, les mariages mixtes existent comme partout ailleurs. Mais la vie de Khatabor et ses rapports avec la Vucevic, tiennent à quoi? Ça tient à l'attentat contre Alexandre II. Il se trouve que le Lavrusevitch, c'est-à-dire Mikhaïl Lavrusevitch, qui est un officier de l'armée impériale russe d'origine, mais qui tombe en révolution comme on tombe des désordres. Et sa femme, qui est une fille de général russe au polonais, sont mariés et sont accusés d'être des conjurés de l'opération d'attentat contre Alexandre II. Ils sont bannis en Sibérie pour 10 ans, mais. Petite Clémence, d'ailleurs, 5 ans plus tard, Héloïse qui vient à Tiflis. Et il se réinscrit dans le mouvement narodnik, dans une des 550 000 cellules d'un narodnik, où, comme par hasard, se trouve Christapor. Le problème est là. Il se trouve que la femme de la Vucevic, qui s'appelle, je dis non, Yevgenia Babushkina Konstantinova, Babushkine, comme il disait à l'époque, dont Valentin disait qu'elle était d'une beauté troublante. Et les rapports de police, d'ailleurs, parce que la police était derrière eux, bien entendu, depuis toujours, elle disait intelligente, cultivée, etc. Cette femme-là, dans la cellule, il y a Christapor, s'amourage de Christapor. Alors, que va faire Christapor? Il ne le sait pas trop. On le lui annonce d'une manière extrêmement sympathique et douce. Mais en même temps, les révolutionnaires narodniks sont très pénétrés, très imprégnés surtout, de la philosophie de Nechaïev, qui est un grand philosophe
révolutionnaire, qui a écrit le catéchisme révolutionnaire, dans lequel il dit que les révolutionnaires doivent mettre leurs sentiments personnels et privés derrière la révolution. Du coup, le Mikhaïl Lavoussevitch s'incline. C'est son ami qui s'incline. Et Katapos, qu'est-ce qu'il fait? Il ne veut pas trahir son impératrice, ses meilleurs amis. Et il quitte, dit Fulis. Il dit, et je pars à Fulis, vol Bessir, j'achète mon mari, pour que l'incendie s'éteigne. Et il reste 8 mois à Fulis, dans son pays à lui, où il est bien. Mais elle lui est fidèle sur lettre. Lui envoie télégramme sur télégramme. Elle ne résiste d'autant, il résiste d'autant moins qu'il revient à un moment où les révolutionnaires arméniens de du moment Jean d'Arménie demandent à Christapoche de tout faire pour le mettre en exergue, pour inventer, pour créer le fameux mouvement révolutionnaire unitaire dans lequel, bien entendu, il aura un rôle central. Ça bien en relation avec voilà. Je vous termine en disant que lorsqu'il s'est marié, parce qu'il finit par se marier avec... Oui. Avec il a même un fils. Il a même un fils, vous peine d'ailleurs. C'est que son copain lui dit, tu vas changer, toi. Et il répond, d'ailleurs, je crois que ça y est dans le livre, non, je ne changerai pas. On verra que ce mariage quasiment contre nature va devenir, au fil des années, un des problèmes auxquels il va devoir faire face, parce qu'il va marier le militantisme. Et quel militantisme? Le patron. Et une épouse qui n'est pas arménienne. Et une épouse qui n'est pas la cause. Et c'est assez étrangère, la cause arménienne, in fine. Donc ça, c'est intéressant, mais je laisse au lecteur le soin. Alors, les relations avec Derenchak, pourquoi, au final, ça ne marche pas? Pourquoi on ne crée pas ce parti des révolutionnaires, de l'ensemble des révolutionnaires? Ça, c'est une question vraiment, enfin, moi, qui m'a beaucoup touché, parce que je le dis clairement, d'autant plus que moi, je suis né dans une famille plutôt tchèque. Ma mère était, je ne sais pas, vous l'avez peut-être lu dans l'avant-propos, était sous l'emprise de Dinina Gulyadze-Boyajian, directrice du Tomas Sasej, qui était la femme de Bezonoula Boyajian, un des leaders historiques, charismatiques du mouvement tchèque. Ma mère ayant vécu dans ce milieu-là pendant des années, ayant eu comme professeur Aharon Dadoulian, le poète, son professeur de littérature et de poésie, à tel point qu'on a failli aller en 47 dans l'armée soviétique. Ma mère était imprégnée de ça. Elle a fait le choix de vous envoyer au camp. Alors, ça. Mais malheureusement, on n'aura pas le temps de revenir en arrière, parce que... Je vais dire simplement que je n'étais pas contre le parti de Tchèque. Il n'y a aucune raison. D'autant plus que le parti de Tchèque avait joué la carte de l'unité. Elle envoie un de ses émissaires, Ben Farazad. Il y a tout un passage sur le pourquoi du comment. Il se trouve qu'il signe Farazad, in fine, un accord unitaire avec Christapoche. Et ça va rien. Il le signe. Il se trouve qu'il est seul avec un de ses camarades à signer, mais à Genève, le parti de Tchèque ne veut pas. On considère que c'est une alliance contre nature, il y a tout un chapitre là-dessus. Et du coup, 6 mois ou 8 mois après, dans un article vitriol dans le journal de Jacques, il dénonce l'accord, désavoue la signature de Khanazad, et c'est ainsi que la Fédération des révolutionnaires arméniens prend fin, et en 1992, 2 ans après, naît la Fédération révolutionnaire arménienne, tout simplement. Alors, mis à part cette difficulté à pouvoir avoir tout le monde autour de la table, puisque vous l'avez dit, les Tchadiens vont se séparer finalement. Ceux qui vont rester, alors il est très intéressant de parler et de citer quelques noms de ces personnages qui étaient les premiers autour de la première table, parce que très rapidement on va en oublier quelques-uns qui ne vont pas pouvoir résister dans le leadership. Et ce leadership passera dans les mains d'abord de Christapoche, le leader incontestable, l'incontesté. Alors, contesté par ailleurs, on verra ça dans les congrès, pour ses actions, pour ses choix, mais en tout cas, c'est le leader absolu avec qui il y a Simon Zavalian. Et un peu plus tard, parce que Rostam n'est pas là au début, mais c'est la trinité des leaders de Tchèque. Donc, on en oubliera pas mal. Et c'est peut-être le moment de rappeler qui était autour de cette première table. Alors, je vais essayer en 1 minute de résumer tout ça. C'est impossible parce que j'y ai consacré des pages et des pages. Ils sont une quarantaine à peu près à avoir participé donc à la création de la Fédération des révolutionnaires arméniens.
dans le noyau central, il y a bien sûr Christophe Bourges. Et c'est vrai que Rostov n'y est pas. Il est en exil. Il est en exil. Quand d'ailleurs Zavalian et Christabol, un peu plus tard, sont en exil. Le leadership n'est pas là, parce que... Oui, bien entendu. Mais lui, Rostov n'a pas participé en 90 aux discussions. Il n'y a pas, lui. J'ai fait l'analyse de tous ceux qui y étaient. Il n'y a pas. Il est à Astana, 2,5 km de Vilnius. Donc ça... Zavalian y est, lui, bien entendu. C'est les deux qui y sont. Et bien, il y en a d'autres. Alors, il y en a 40, je ne vais pas tous les citer. Mais ce qui est intéressant, c'est de citer les tendances politiques qui y étaient. Alors, il y avait une petite tendance autour de Rajouni, de Kikola. Il y a, comme vous savez, le directeur général de Chacha. Pas seulement, c'est un personnage. Un couleur. Un personnage. Je dirais presque inévitable. Il fait la pluie de temps. Lui, Rajouni. Il faut dire plusieurs diplômes, d'une intelligence extraordinaire. C'était l'élément clé de cette capitale géorgienne dans la communauté arménienne. Mais bien sûr, il y a des diplômes extraordinaires. Et en 1972, c'est lui qui décide de faire le journal Mechachak. C'est le grand journal que tout le monde doit lire. Et auquel collabore tout le monde. Lui aussi, quelque part, il était faiseur d'hommes parce qu'il cherchait des talents. Il y a des sujets que je connaissais avant ce livre aussi. Oui, j'en suis sûr. D'ailleurs, ils sont pas très intéressants parce que la discussion va avoir en profondeur. Même si on voit que c'est malheureusement un très bon service ici. On est obligé. Mais on n'a pas de choix. Donc, autour de Mechachak, c'est plutôt les libéraux, je dirais, plutôt favorables au régime, et qui attendent tout le régime, et qui se disent après tout, peut-être que la Russie va s'améliorer, etc. Et quand on compare le régime russe au régime ottoman, il n'y a aucune contre-intervention ici, bien entendu. Il y a aussi les nationalistes autour de Khrizistian, non pas Alexandre Khrizistian, mais le frère aîné. C'est le Constantin Khrizistian qui, lui, était un entiché de Rochefort, un entiché de la littérature et de la presse française. Le général Boulanger, d'ailleurs, on l'appelait le général Boulanger, un peu un sobriquet qui lui avait très très bien le reste. Et c'était la droite anti-socialiste pur, bien entendu. Il y avait aussi un petit mouvement qui était le Chichi, autour de Léo, de l'historien Léo, qui a porté aussi dans la corbeille du mariage ces deux, trois mouvements. Et puis il y avait bien entendu les Jacques, qui étaient alors, les Jacques, avec Ruben Ramazan, et ensuite deux, trois qui vont arriver, et j'allais dire en Arménie, Aransk, c'est-à-dire le cœur, c'est le jeune Arménie. Et dans le jeune Arménie, qui est un mouvement qui s'est créé en 88, en particulier grâce à Zavarian et puis à Christophe Bourges, c'est eux qui forment l'aile gauche, je dirais, du mouvement. Et c'est ainsi que prend naissance le mouvement autour de Christabo, qui lui sera vraiment le pilier central. Alors, on pourrait aussi citer Bardinian, on peut citer Chanaroutian, qui était parti du mouvement également. Alors, il y a trois personnages sur lesquels je voudrais mettre un peu l'accent. C'est. Alors, Arjouli, bien entendu, on en a parlé. C'est Toumanian. Et Chirin Zadeh, trois intellectuels. Le mouvement unitaire, parce qu'il était unitaire, imprégnait l'ensemble de la population du Caucase. Mais après, on dira, mais comment est-ce que ça a pu céder en empire ottoman? C'est une autre question. C'est la première phase de la vie du Caucase, de l'universation. Exactement. On en parlera. Alors, de toute manière, il y a des trucs qui s'allument à la naissance du Caucase. Alors, je ne lui ai pas contre non plus. Mais lui, attendons de plus en meilleur. Et après, on commencera à bouger. Mais on dit quand même qu'il y avait sa caution morale. Et que les gens prenaient son opinion. Est-ce qu'on y va ou s'y va pas? Non, mais en même temps, Christabo disait à Sparta, à Salimata, c'est un homme du passé. Il nous faut d'autres hommes. C'est Chirin Zadeh qui rapporte ce propos. Après, Chirin Zadeh n'aime pas beaucoup Razouli. Pas plus que Varafil. Et Varafil n'est pas Razouli, d'ailleurs. Oui, il est très... Il est d'une méchanceté. Il n'est pas plus que Varafil. Oui. Il est riche, mais il ne paye pas. C'est terrible, quand même. Et puis, c'est pareil. Donc, ils sont allés tout de suite. Parce qu'il a une tendance, j'allais dire dictatoriale, parce qu'on dit qu'il est. Pas mandarin. Autre chose. Tout passe par lui. Donc, il y a ce point très général.
Donc à l'époque, entre 1891 et 1891, jusqu'à l'exil de Christophe en Moldavie à Kishinev, le mouvement est un mouvement réellement unitaire. Unitaire. Et c'est pourquoi je dis de manière tranquille que le parti de Jacques, avec ses Nazarbekians, qui étaient doctrinaires, réformistes, qui n'ont pas été assis à Genève, et qui n'ont pas été ils mettent fin à ce pacte unitaire, ce qui, à mon sens, était une faute, pas une erreur. Une faute historique. Alors, il y avait débat dans ces cercles-là sur l'orientation à prendre. Tout à l'heure, on parlait des mouvements russes entre cosmopolitisme et nationalisme. Là, c'est le débat entre protéger ou libérer les Arméniens de l'Occident, le socialisme. Il y avait plusieurs sujets et finalement, tout le monde, il faut dire, n'était pas socialiste au début. J'allais dire même plus tard, tout le monde n'était pas socialiste. Il y a toujours eu des débats idéologiques à l'intérieur du parti, au moins jusqu'en 1907. D'ailleurs, est-ce que je peux faire une petite digression? Bien sûr. Le parti de Jacques, quand il est né en 87, il a drainé vers lui beaucoup de révolutionnaires. En 96, il s'est divisé en deux. Une partie est restée marxiste, l'autre partie, autour de Akhirian, Damanian, Souleymian et quelques autres, ont dit, mais on n'a rien à faire en ce moment, nous ne sommes pas des socialistes. Autrement dit, il y avait déjà chez eux aussi. Et au parti de Jacques, il y avait des bas également. Qui a été d'ailleurs assez complexe, assez dur parfois. Tout le monde n'était pas socialiste. Je propose la formule suivante, autour de laquelle ils sont d'accord finalement. Le socialisme a régéré beaucoup de gens, on va dire la libération économique et politique du peuple arménien de Turquie. Ça vous va? Khanazad dit OK. Et c'est autour de cela que finalement, on s'est mis d'accord. Mais il n'y a pas ça comme problème. Est-ce que les armées du Caucase avaient le rôle messianique d'aller protéger, d'aller libérer leurs frères de Turquie? Faut-il aller en Turquie pour étudier la situation sociale d'Arménie? C'est une question de notre vision. Ensuite, comment on dirige le pays? Est-ce qu'on adopte la décentralisation ou la centralisation? Toutes ces questions ont été débattues pendant justement les grandes négociations du mois de juillet à Tiflis en 1990, et sont revenus malgré grand dans la discussion parce que tout le monde venait de très très loin et que l'unité obtenue par Katabour n'est pas un fleuve tranquille. C'était une lutte de tous les instants. D'autant plus que Katabour, je le rappelle, a été condamné à un an d'exil et pendant ce temps-là, il a été remplacé par le fameux Levant Sarticien qui va être anti-socialiste, autoritaire et centralisateur. Le contraire parfait de ce Simon Zavagan qui, lui, se disait rouge, ce socialiste et décentralisateur. Alors, deux mots quand même sur Simon Zavagan, parce que c'est un des trois leaders incontestables de la FRA. C'est quelqu'un qui a fait de grandes études agraires à Moscou, et il était. Mais j'ai pour lui une carrière extraordinaire dans l'administration moscovite. Mais il a tout laissé tomber pour suivre son cœur et le combat auquel il s'est préparé. D'ailleurs, il n'était pas le seul, mais c'était un cas. Parce que c'est un major dans sa promotion. Une carrière royale là-dedans. Il retourne. Et il n'est pas le seul. C'est une des grandes constantes. Les Arméniens révolutionnaires, les jeunes, disons, sont pas 25 à 30 ans, pas plus. C'est de faire des études et de revenir au Béguedlige pour défendre justement les Arméniens de Russie, bien entendu, mais surtout les Arméniens de Turquie. Et c'est là la vraie question. Comment faire pour aller défendre nos frères de Turquie? Parce que la frontière entre les deux, elle n'est pas étanche. D'autant moins étanche que les sultans turcs, à l'Est ottoman, considèrent les Arméniens comme des traîtres, vendus tous russes. Tous. Surtout les Arméniens de Jérôme, en particulier, ou de Haras, ou d'ailleurs. C'est un vrai problème, ça. Alors, justement, quand on parle de la création d'un parti révolutionnaire, on voit quand même à la tête de ce parti, Christabol le Premier, n'est pas favorable à l'action des têtes brûlées, dans le sens où tout n'est pas action armée,
il faut en mesurer les conséquences. Et quand, par exemple, l'Alte Jorque, avec le Tchagan, veut faire la révolte de Sassoon, on parle des années 1894, là, Christabel, il est contre. Et de l'Alte Jorque, Armenac Razalian, il lui envoie une lettre en disant « Comment pouvez-vous dormir tranquille quand vous n'êtes pas capable ou vous ne voulez pas armer la révolution ?» Et c'est là que Christabel lui explique les conséquences d'une telle aventure. Suite à cela, l'Alte Jorque admet sa propre erreur dans le raisonnement et rejoint même le Tachtakutun en quittant les Fera avec tous ses hommes. En quittant, pardon, la voiture. Voilà. D'ailleurs, c'est la TK 94, c'est pour croire, c'est pas peut-être. Parce qu'il était déjà là-bas en 93, avec Abadian et puis Mezen Mourad. C'est l'histoire des armes que le Hachak demande au parti de l'Hachak. Ça va être assez pour, ça peut être contre. Plutôt contre. Mais il n'est pas contre la révolution. Il est contre parce qu'il a en tête une stratégie. Et c'est une des grandes questions. Une des grandes, comment dirais-je, j'allais dire Vesque. Parce que les camarades du parti ne comprenaient pas toujours la stratégie à long terme imaginée par Christophe. Pourquoi il disait ça? Il ne disait pas ça parce qu'il était contre les Hachas, contre la révolution de Sassoon. Il disait que c'est en pure perte. On va perdre des membres, on va perdre des fédaïs, on va perdre l'appui du peuple, parce qu'il y aura des représailles inévitablement. Et le parti Hachas n'est pas préparé à faire ce genre de choses. Il n'est déjà pas préparé depuis la fameuse manifestation de Koumoukabou en 90, pas plus maintenant. Il faut maintenant autre chose et il espérait. Et il ne faut surtout pas provoquer le sultan Alors il espérait surtout le soulèvement général de la population. Mais pas comme ça d'une manière stupide, mais organisée, structurée, c'est ce qu'il voulait. Parce qu'il y avait aussi débat à la Crécurion sur la manière de préparer la révolution. Est-ce qu'on arme la population arménienne pour des besoins défensifs ou on les arme pour passer à la révolution. Le débat existait au sein du parti de la Chagas. Au sein du parti de la Chagas qui existait. C'est l'opération Fadassoge. J'en parle. Est-ce que les auditeurs connaissent l'histoire, mais ils la verront. C'est une opération d'envergure. À la mesure, bien sûr, du parti de l'Hashtag, de ses moyens, en armes, en hommes, etc. C'est une grosse opération de punition contre la tribu basilique qui venait participer. Kurdes. Qui venait participer aux côtés de l'armée turque à la décimation de 1000 Arméniens qui avaient échappé à l'armée de Van de trois parties, unifiées. Il faut les punir, donc c'est d'accord. Et les Albanésis sont contre. Ils ne sont pas contre l'opération, ils disent que vaut mieux armer le peuple. Et faire des petites incursions plutôt que de faire des grosses opérations qui risquent de tomber dans l'eau. Et Zabalek est d'accord avec les Valencies en disant oui, on ne va pas aller bien loin avec ça. Je ne parle pas de Ranasso, c'est une opération magnifique, elle est grandiose, elle est belle, elle a remué le peuple, il n'y a pas de doute. Et qui regroupait tous les grands fédéraïs de l'époque. Ils étaient 250. J'ai fait l'analyse complète de tous les membres de Ranasso, ils sont 250. Il y avait Jean Intronique dedans. Il y avait déjà Jean André, il y avait d'autres aussi. Et surtout, je raconte l'histoire poignante de la fin de la mort du frère de Rostov Zogar, la Hanasoj, qui lui aussi était contre les opérations de grande envergure. Il préférait les incursions comme ça, malicieuses, astucieuses, plutôt que les grosses opérations qui peuvent aller on ne sait où. Et Garo Zolian, Aristakes Zolian, meurt pendant la bataille de Hanasoj, avec un arrière-plan, une histoire personnelle qu'il a avec une jeune femme qui l'aime d'un amour pas possible, il se suicide par amour pour ne pas empêcher Garo d'aller se battre pour Hanasoj. Ça, ce sont des choses qui ont existé. Donc, c'est pas que des petites histoires. Mais il se suicide avec le revolver que Garo lui a offert. Oui, ça, bien entendu. Donc, contrairement à ce qu'on peut croire, Garo n'aimait pas. Et en quelque sorte, il se donne la mort, Garo, dans cette bataille, parce que pendant que les fédaïs repartent de ce champ de bataille, il est parmi les derniers, il a décidé d'être le dernier pour protéger ses camarades, à continuer les combats, pour empêcher ou arrêter ou freiner l'attaque, la contre-attaque des Mazriks. Mais oui, ça c'est... Est-ce que c'est un suicide?
gestes d'adieu. Ça, il faudrait être dans la peau de la loi Aristakès pour savoir tout ça. Mais c'est quand même une histoire poignante qui montre que finalement, les fidèles aussi, c'était des hommes. Alors, Christa Paul, on le disait, le chef incontestable, mais souvent contesté, et on verra que même les plus proches, Simon Zavarian, sur plusieurs sujets, mais pas seulement lui, les fédéraux et les chefs venus de l'Arménie occidentale étaient contre l'approche de Christa Paul à bien des égards, et ils étaient vraiment pas tendres avec lui, parce que c'était pas un dictateur, Christa Paul. On pouvait le critiquer, et de quelle manière, avec quel mot. Et là, on voit encore une fois la grandeur de Christa Paul, parce que il fait face à toutes ces critiques. C'est quelqu'un qui accepte ses erreurs, mais en même temps, il est tellement fort en conviction que dans ses convictions, qu'il est capable, par la raison et la logique, de démontrer que, point par point, toutes les critiques qu'il reçoit sont argumentables. Vous avez tout dit, je crois. Mais je veux que vous alliez dans les détails. Oui, non, mais les détails, ils les liront. Mais vous faites allusion au congrès de 1898. C'est-à-dire qu'il s'est passé entre le premier congrès de Tiflis en 92 et le congrès de 98, 6 années. C'était beaucoup trop long. Entre-temps, il y a eu l'affaire de Vannes, le siège meurtrier de Vannes. Il y a eu l'opération de la Banque ottomane, dont je parle bien sûr dans l'ouvrage. Il y a eu l'opération de Khanasor. Mais il y a aussi un mécontentement profond au sein du parti militant qui considère qu'il y a de l'immobilisme, de l'autarcie, des erreurs, des choix qui ne sont pas. D'autant plus qu'à l'époque, il y a aussi les fameuses tractations avec le sultan Abdulhamid par la famille d'Adian depuis 1996. Ce que le militant de base ne comprend pas, comment est-ce que l'on peut discuter avec notre pire ennemi. Il y a eu cette problématique-là. C'est une vraie question en soi. Et en 98, au congrès de Tiflis, il présente le bilan du comité central du parti. On l'appelle le bureau. Et il est assailli de questions, abreuvé de critiques, notamment par Rajag, Kalekin Rajag. Par Vard Patrikian, qui sera d'ailleurs plus tard exécuté parce que c'est lui qui a été l'auteur d'un détournement des armes du parti pour les vendre, on ne sait plus à qui, mais à son profit personnel. Il a été châtié par la suite, en 1907. Levon Atapekian, il y a toute une bande de gens qui ne veulent pas entendre parler de la politique de diplomatie que Christa Paul défendait en 98 en disant le soulèvement général n'a pas eu lieu. Nos fédéraux meurent par milliers. Il ne faut pas oublier que Christa Paul a ça, comme Zostom et comme Zavarian, qui sont les patrons. Ils ont sur la conscience la mort des gens. Ils ont droit à la bataille. Des fédéraux dont la durée de vie est 3 ans. Un fédéraux qui va se battre, il a une chance sur 10 de réchapper. Hein, et en général, sa durée de vie est 3 ans. Ils sont par dizaines de milliers. Et le soulèvement général ne se produit toujours pas. Dans l'Empire ottoman, pour des raisons de distance, pour des raisons également de légitimisme et de peur, bref. Mais en même temps, il faut dire, pendant ces années-là, il y a une implantation réelle en Arménie occidentale, il y a des chefs fédéraux qui naissent avec des groupes très importants, vous les avez cités, et ils sont en train de poursuivre, d'harceler l'armée et la gendarme turque. Donc il y a une vraie... Bien sûr, d'ailleurs je raconte ça, parce que Rajda Stabedian, qui a travaillé beaucoup sur les archives, a fait l'inventaire de tous les groupes de combat. Année par année, autour des grands, des principaux, hein, Tchamouche, Selobarpur, Arabeau aussi à l'époque, Kamela et Tojok, et tant d'autres. Mais bien entendu, tout ça ne fait pas un soulèvement général. C'est indispensable, c'est absolument nécessaire, mais contrairement à ce qui s'est passé en Macédoine, ou en Bulgarie, etc., ou en Grèce, où le soulèvement général populaire était plus facile parce que c'était du territoire plus petit, là, on est dans un empire qui fait 1500 km de long. Donc c'est pas possible. Donc il dit, et tient le raisonnement, il faut non seulement continuer le combat, mais aussi faire une propagande en Europe. Donc avoir la stratégie des deux fers au feu. Rajab, lui, il comprend uniquement une partie. Après, il en viendra.
Mais il dit non, non, il faut absolument faire une guerre à outrance. Et moralité, en 98, le Congrès adopte la position de Christapos. Et qu'est-ce qu'il fait? Il l'envoie en Europe. Et ça, c'est la deuxième, la troisième partie, la partie, je dirais, où Christapos en Europe a un rôle absolument imminent. Alors, l'Europe, c'est d'abord Genève, où Trochak s'implante. On est toujours implanté. Hein. Oui, mais c'est juste au plus grand quand on parle d'événements qui se produisent il y a 100, 110 ans. Donc la communication n'est pas celle d'aujourd'hui. Et quand on en voit ces Arméniens qui connaissent personne en Europe, il n'y a pas de diaspora, il n'y a pas de structure, pour aller faire de la propagande, c'est là d'ailleurs la force de Christapos, car avec d'autres, il a réussi à créer ce mouvement pro-arménien dont on l'avait rappelé tout à l'heure, Pierre Gaillard était l'un des fers de lance, avec Jean Jaurès, avec d'autres qui Clémenceau. Donc, Christapos Michaélien depuis Genève, et il vient aussi à Paris pour rencontrer, pas tous, mais certains de ces gens-là, pour organiser donc le lobbying. Il faut l'appeler comme ça. Aujourd'hui, ça s'appelle du lobbying. C'est la communication, c'est l'influence, c'est créer des amis. Et des amis, on en a eu en France. C'est, je crois, l'une des parties les plus importantes de la vie de Christapos, parce qu'il a. D'abord, le parti a décidé qu'il irait à Genève. C'est pas facile. C'est pas facile de quitter le Yelgir pour aller à Genève. C'est une sorte d'exil. Alors, c'est une exil, et en même temps, c'est considéré de la part d'un certain nombre de militants, très jusqu'au bouddhiste, comme le roi des planqués. C'est le placard, comme on dit. Oui, c'est un peu là. Il y a qui mais avec une mission, quand même. Bien entendu, avec une mission. Entendu, mais ça, il voyait pas de degré. Maintenant, nous, on est tranquillement assis dans notre fauteuil, et on voit ça de plus loin, et on dit que c'est un pas idiot. Bien entendu, c'était génial. Moi, je pense que c'était génial. Il arrive donc à Genève, et il a trois casquettes. Rare, hein. Trois casquettes, il est patron du bureau occidental, et aussi du bureau oriental, parce qu'il est dans les deux bureaux. Il est membre dans le bureau oriental, mais patron du bureau occidental. Eh oui. Il est quand même membre de deux bureaux en général. La décentralisation de Zag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 
comment la propagande se faisait auprès de la population pour dispatcher ce journal Rorschach auprès de la population. Donc c'est un travail aussi de... Il fallait du contenu, mais c'est surtout c'était un outil de propagande. Le travail de l'ombre, dont d'ailleurs le premier a été Jean-Saul Jolian, qui a précédé Christapour pendant 3 ans. Et qui n'a pas pu résister à Genève. Et il ne voulait pas vivre à Genève, ça n'embêtait. Mais il a été celui qui écrivait quelques articles de temps à autre. Mais surtout qui passait son temps à composer, à corriger, à tirer, à imprimer, à mettre sous liasse et à renvoyer. C'était un travail de l'ombre. Ce que Christapour n'a pas fait. Alors, beaucoup de choses à dire, puisqu'il y a si longtemps que ça, on a célébré à l'Assemblée nationale les 100 ans de l'assassinat de Jean Jaurès. Donc, c'est vrai que Christapol n'a pas rencontré Jean Jaurès, mais il y a eu des correspondances entre les deux hommes. Donc, voilà comment en France, et pourquoi que en France? C'est une question très importante. Pourquoi pas en Allemagne, qui était un pays qui avait des liens avec l'Empire ottoman, où il serait intéressant de pouvoir infléchir un petit peu la politique de ce pays des Arméniens? Ne pas oublier que l'Empire tsariste était francophone. À la cour de Saint-Pétersbourg, le français était la première langue. D'ailleurs, Christapour a appris un peu le français à la coulisse. Donc le français était quelque chose qui était... Est-ce qu'il parlait le français plus tard? Alors, il est arrivé en France, à Genève, il ne parlait pas français du tout. D'ailleurs, ça a été un problème. Il n'osait pas sortir. Il n'osait pas rencontrer les hommes politiques français, justement, parce que le mouvement humaniste français était le plus fort par rapport aux événements de 94, 95, 96. C'est là qu'il était. Mais contrairement à ce que vous venez de dire, l'Allemagne était aussi très sensible à ça. Je dois dire que Christapol a rencontré le chef du SPD de l'époque, qui s'appelait Bebel, et il a obtenu Bebel qu'il fasse un discours au Reichstag, ce qu'il a fait en faveur des revendications arméniennes. Donc ça existait. En Angleterre, il y avait un petit mouvement également. Mais le cœur de l'assistance, de l'ingérence, au fond, humanitaire, c'était la France. Et en particulier en France, alors tous ceux qui seront plus tard dans le comité de rédaction de pro-Arménia, c'est-à-dire, Pressensé bien sûr, Jaurès, Anatole France, le comte de Roberti, qui a été le rédacteur en chef, Jean Longuet, qui a été le secrétaire de rédaction générale, tous ces gens-là étaient autour. Et Jean Jaurès, il ne l'a pas rencontré. Mais parce qu'il n'avait pas le temps, Jaurès, à ce moment-là, il était très très pris. Mais la campagne de correspondance, j'ai pensé immédiatement à la correspondance intellectuelle. Les idées de Christapol et de Jaurès, qui sont nés la même année d'ailleurs, ils sont nés en 59 ou les deux, les idées étaient la même sur l'approche de l'internationalisme et nationalisme. Comment concilier internationalisme et nationalisme? Et ça, c'est une des grandes correspondances qui fait que Jaurès a donné son accord à Clémenceau et à De Roberti en disant « Je serai membre du groupe de rédaction ». Alors comment a été créé pour Arménia, ça je le raconte. Je renvoie à l'article d'Agnès Varamian dans une passion française annotée par Claire Bourrat. Donc j'ai ajouté simplement un certain nombre de choses que personne ne connaissait, que j'ai tirées dans la correspondance de Christapour, qui a obtenu de Quillard 3 grandes concessions. Parce que Quillard, il ne voulait pas du titre pro-arménien. Il voulait un titre beaucoup plus général. Quillard, il faut dire, c'était pas un politique, c'était un écrivain. Oui, mais il voulait l'Orient, lui. Il voulait l'Orient. Et il avait convaincu Valentian et Loris Melikov que l'Orient, ça correspondait bien. Puisque sa politique, il n'y avait pas question. Moi, je veux que dans le titre, il y ait une référence aux Arméniens. Deuxièmement, Quillard disait, on ne va pas parler de l'Empire ottoman. Il ne voulait pas en parler. Contrairement à Pressensé, lui, il voulait. Il était plutôt guerrier, Pressensé. Il a dit, écoute, on va parler autrement. Comment voulez-vous parler d'une révolution sans parler de révolutionnaire? Il a tenu son accord. Et Quillard a dit, Christapol a raison. Il l'a rencontré dans son petit village de Bourgogne, à Armaux. Et là, je raconte leur rencontre, c'est un dialogue savoureux entre les deux. Et c'est là que commence la grande aventure de Pro-Arménia, c'est-à-dire le journal qui va durer des années et des années. Hein. Alors, faire une révolution sans finances, c'est quasi impossible. D'ailleurs, à Tiflis, avant même de commencer l'aventure de Tachtachtoutou,
quand Simon Zavalian et Christa Paul décident à leur retour de Moscou, parce qu'ils sont retournés de Moscou presque en même temps. Et là, ils décident d'ouvrir une imprimerie et de prendre un permanent, un ouvrier, enfin quelqu'un qui s'occupe à plein temps de cela, mais faute de finances, donc ces gens-là n'avaient pas de moyens financiers. Même si parmi eux, il y avait quelques enfants de riches, comme Vanis Loïs Medukov, qui se vantait de son appartenance à une famille d'aristocrates. D'ailleurs, si vous avez lui-même est d'une famille aristocrate, mais oui, Arutian Ishrat, c'est un prince, mais ils sont fauchés, parce qu'ils sont dans la révolution. Bref, comment faire pour la révolution, c'est comme ça que ça se passe. Alors, comment faire une révolution sans moyens financiers? C'est une vraie question. Parce que alors, vous faites allusion à la poète révolutionnaire catholique. Je voulais revenir à cela. Alors, cette question a été posée depuis le début. Rostom est pour. Zavalian est contre. Rostom, il est cache, lui. Ah oui, c'est pur et dur. Et c'est entre les deux. Mais il est plutôt contre au début. Parce que c'est contraire à ses conceptions éthiques et morales. Et il avait en tête également les dérives des Macédoniens qui avaient eu le même problème avant lui. Il y a eu des détournements d'argent, des usurpations d'identité, des gens qui se faisaient passer pour des collecteurs alors qu'ils n'étaient pas un vrai problème. Et en plus, des représailles, ils ont tué pas mal de Macédoniens riches par erreur. Enfin bon, est-ce qu'on va pas retrouver la même situation? Donc il y avait ça. Il résiste en 1901. Et là, il dit, on va convoquer une réunion spéciale. Et il convoque à Philippe, c'est-à-dire là où Rostom se reste à son école, avec sa femme, Lise Shahzazarian, de revoir la question. En Bulgarie. Et il revoit la question. Et il décide de créer le fameux impôt révolutionnaire. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que les caisses sont désespérément vides. Et si on veut faire la révolution, on peut pas acheter des armes sans argent. Le transport des armes. Si vous voyez les gens, je sais, entre parenthèses, quand Stavalian et quelques autres ont été amenés à soudoyer des officiers de l'armée russe pour obtenir à l'usine de Doulard en particulier des armes, comment faire? Ils sont prêts à donner des armes, mais moyennant en finance. Et il n'y a plus d'argent à l'école. Comme le raconte Loupin dans ses mémoires. Loupin dans ses mémoires, très bien, dans le tome 3 ou 4, je sais pas bien. Donc il faut de l'argent. Et Christa Paul, lui, étant compétent entre les deux, qu'est-ce que je fais? Zavalian reste intraitable, pas question. Rostom lui dit, il faut. Et finalement, en 1901, il décide de créer l'impôt révolutionnaire, mais à condition que lui, Christa Paul, prenne la tête des collecteurs de l'argent. Et c'est là qu'en 1901, il quitte Genève. Et il vient à Bakou. Tout un passage. Mais il est recherché. Alors, ce n'est pas la police azérie, il ne faut pas confondre. On est dans l'Empire tsariste, l'Empire russe, donc la police russe. C'est ce qu'il était, ce qu'il faisait à Tiflis. Et d'ailleurs, on retrouve plus tard des détails incroyables sur les mouvements de Christa Paul. C'est vrai que Christa Paul, même quand il est retourné de la coulisse à Tiflis, tous les jours, il changeait de domicile. D'ailleurs, vous avez pu voir, j'ai cité les rapports de la police russe, oui. De l'Orlana, des membres extraterrestres qui montraient qu'il les pieds du matin au soir et du soir au matin. Je raconte d'ailleurs la perquisition des vestes bleues. Les vestes bleues étant les fameux policiers secrets de l'Orlana. Terrible police politique. Jusqu'à ce moment du travail. Il travaillait comme correcteur d'épreuves de russe dans un journal qui s'appelait Novo Oblazenie, dirigé par Zana Toumanian et sa femme, sans rapport avec Vanessa Toumanian. Mais Zokomiagoulisti. Il vient de perquisitionner, il y a deux pages là-dessus, comment ça a été perquisitionné sous les yeux de la pauvre femme qui voit ça de loin, à l'abri de tous les regards indiscrets. Donc il était épié du matin au soir. Cet homme-là, il arrive à Bakou, il est suivi. Du nom de Mikhailov, d'ailleurs, puisqu'il avait longtemps utilisé ce mot. Donc, parenthèse, il avait plusieurs surnoms. Surtout, on l'appelait aussi Topal, parce qu'en turc, ça veut dire boiteux, parce que Christa Paul boitait. Il est né avec une malformation au pied gauche. Alors, il n'est pas pied beau.
contrairement à ce qu'on nous dit, une malformation osseuse. Mais Claudiquet, ça l'a d'ailleurs subi toute sa vie. D'ailleurs, un jour, il demande à Aurélien, Hérouna, va plus loin. Et il marche devant lui. Est-ce qu'on voit que je boite? L'autre, Aurélien, sympathique, il dit, pas tellement, finalement. Ça l'a subi toute sa vie, ça. Et c'est une marque de fabrique en même temps, parce que les vestes bleues, dès qu'il voit un type Claudiquet, il pense que c'est très simple. Et il s'appuie à Tabacou. Alors, on n'a pas le temps de parler de ça, parce que le temps passe, je vois bien. Mais Tabacou, il va être arrêté. Il va avoir aussi une activité de collecteur, bien entendu. Auprès de qui? Auprès de ses amisantes. Les richissimes familles de Vénacoulis. Avec qui il a des liens de cousinage. Parce qu'à Bakou, les Arméniens, à cette époque-là, comme les Grecs, les Juifs et d'autres, sont vraiment enrichis. Alors, il y a la masse ouvrière, mais aussi la masse des hommes d'affaires. Mais non, je suis dans un départ, d'ailleurs, ascendu dans les puits de pétrole. Ça, c'est un roman extraordinaire qui donne vraiment l'image de la vie sociale là-bas. Donc, d'un côté, les ouvriers, et d'acheter sont plutôt dans ce milieu-là. Et les autres, les riches, auprès de qui Gestapo va essayer d'arracher un peu l'argent, parce que c'est, comme vous dites, c'est l'heure de la guerre. Alors là, lui, il va essayer d'arracher de l'argent, parce qu'il ne pouvait peut-être pas faire lui autrement, en tant que leader, mais ceux qui étaient en charge de l'impôt révolutionnaire avaient des moyens un peu plus rudes pour... quoi qu'il arrive, récupérer l'argent. Alors l'impôt révolutionnaire, c'est comme son nom l'indique, c'est-à-dire que ceux qui ne voulaient pas, ben, ils étaient châtiés. Je raconte l'histoire d'un commerçant, le fameux Jarmarian. À Moscou. Oui, mais il est mort à Moscou, mais il était venu à Chouchi, parce qu'il allait passer ses vacances à Chouchi. Et il passait aussi une partie de ses vacances à Nice. Et d'ailleurs, les parties, il a connu à Nice. 3 ans avant, il paraît qu'il donnait de l'argent, le fameux Minarche avait dit, il va vous recevoir. Et tout simplement, il va là-bas et il est parçu. Donc, parce que le type ne voulait pas donner de l'argent. Et quand il a été sur la liste des donateurs potentiels, il a dit, c'est non. Et ils l'ont tué. Donc, il y avait donc des effets collatéraux, disons. Alors, c'est vrai que ça faisait le débat, parce qu'il y a une question éthique, mais il faut quand même le dire, s'il n'y avait pas cette action appelée potolique, tempête, il n'y aurait pas eu d'argent, et s'il n'y avait pas d'argent, il n'y aurait pas eu achat d'armes, et s'il n'y avait pas d'achat d'armes, en 1905, l'autodéfense arménienne contre les Tatars n'aurait pas eu lieu, il y aurait eu vraiment des massacres, c'est grâce à l'argent de Potolik que les Arméniens ont pu organiser cette autodéfense. En 1904, au congrès de Sofia, il défend finalement l'impôt révolutionnaire parce qu'il avait proposé au congrès la liquidation du sultan Abdelhamid. Et il faut de l'argent pour ça. Alors justement, nous allons terminer avec cette histoire assez extraordinaire où Christapor quand même va mourir. Il est le leader de cette action de Juic qui a pour but d'assassiner, d'organiser un attentat contre le sultan Abdelhamid II. Alors ça, c'est le dernier chapitre. Le grand défi. Le bouquin porte le titre de grand défi. C'est une histoire difficile, mais Christapor proposera ça au congrès. Il acceptera le principe. Mais quand il décide d'en prendre la tête de l'opération en détail, l'opération de Juic, ou l'opération Hichab, ou l'opération également Yeldes Bomba, comme on dit. Zavagan et Bélostron sont contre. Il n'a pas à prendre la tête de ça. Parce qu'en prenant la tête, il n'est pas mort. C'est un suicide, quasiment. Parce qu'il est favorable à lancer, comme ses amis narodiques à l'époque, contre le tsar, Alexandre II, des bombes à la main, à 10 mètres, 15 mètres du sultan Abdelhamid, après des repérages nombreux et difficiles. Et comme il y a 6 000 soldats autour, il est forcément arrêté, il sera exécuté, donc il va à la mort. Je relis cette espèce de tranquillement aller vers la mort à d'autres éléments qui sont tout à fait intéressants, mais sur lesquels on n'a pas la
entendre parler. Mais lui, il y va. Et en même temps, il s'intéresse à la question. Il crée des nouveaux systèmes, il raccourcit la mèche. Pour que ça aille plus vite encore, des bombes afin de mettre la mise à feu. Il fait des essais. Alors, je vais vite. Il y a des détails sur l'achat de la poudre. Oh, on raconte même que cette poudre aurait pu être. Mais elle est falsifiée. Il y a 600 kilos de poudre. Je vous jure. Mais la première couche au-dessus de 3 cm, elle est bonne. Mais en dessous, c'est... Donc, il y a un gros problème. Bref. Et la question qui se pose, c'est est-ce que le commerçant qui a vendu cela, est-ce que c'est un acte délibéré? Est-ce que ce sont les autorités russes de l'époque qui sont impliquées dans ces histoires-là? Parce qu'il y a une correspondance avec un général russe à qui... Donc à qui Christophe quand même... raconte l'objectif. Ça se trompe. Ils disent que les Russes ont été par Russes. Il est bulgare. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'histoires autour de ces préparatifs. On parle de la main noire, enfin de l'intervention occulte de Russes. Ça, on n'a jamais bien démontré tout ça. Moi, je suis venu au fait, c'est un cas que j'ai eu, et qui nous a regroupé dans bien des documents. En fait, c'est un attentat organisé par la chasse. Comme il l'a fait plus tard en 1919. Non, je ne parle pas, quand je parle de l'intervention russe, ce n'est pas pour demander à Tachnakyun de commettre l'attentat contre le sultan Hamid. C'est une décision, je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus, que c'est une décision de la FRA. Mais par contre, la manipulation de la bombe, de la poudre, est-ce que c'était pour faire échouer ce projet? Je ne crois pas. Je ne crois pas très certainement, mais c'est que l'attentat a eu lieu quand même en juillet. Mais c'est un bon moment au mois de mars. Pendant les essais sur le pont Vidoche, au-dessus de Sofia. Et il est remplacé. Alors, la mort de Christophe, j'en parle, bien entendu, il y a toute une scène extraordinairement émouvante et poignante là-dessus. Mais il est remplacé, parce que c'est ça, au parti de l'Hashtag. Parce qu'il y a les responsables de la FRA à Constantinople, Istanbul, de l'époque, qui viennent à Sofia en disant qu'ils ont des doutes sur l'opération, ils sont contre Christophe, eux aussi, pour cet acte-là, et on nous raconte que Christophe, pour montrer à Vranchabou, qui venait de Istanbul, que regarde, je vais l'essayer et ça va marcher, il raccourcit la mèche, et c'est un accident qui se passe. On a parlé de l'altercation entre lui, Christophe et puis Vranchabou, il y a également d'autres, etc. Ça, c'est intéressant, mais en même temps, c'est peut-être créer une... C'est documenté. Oui, j'entends bien, mais après, pourquoi nous parler d'ailleurs de ça? Alors, je ne parle pas du procès qui a eu lieu après au sein du parti sur le groupe qui a raté l'attentat. Je vais dire de nous, parce que c'est... Oui, mais je n'ai pas abordé dans mon temps. Je l'aborderai dans un autre bouquin que j'écrirai plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est que l'attentat a été mené à son terme, il a arrêté pour des raisons qu'on dira, bien entendu, mais l'altercation de Vranchabou, Kendirian et Christophe n'était pas un désaccord profond. Hein. D'autant plus qu'on lui a dit à Christophe, il est resté 2 mètres derrière Vranchabou, qui lance la première bombe, ça n'éclate pas. La deuxième bombe, il la lance, il n'a même pas le temps de la lancer, et Christophe reste derrière lui. Alors que tous les camarades, il va plus loin, il reste là. Donc il voulait, d'une certaine façon, montrer qu'il était aussi dans le coup. Son outil, parce que c'était en fait. C'était lui qui l'avait créé. Voilà, donc c'est ça. Et il en meurt. Et c'est la mort de Christophe, moi je l'ai vécu vraiment très très mal, parce que il meurt pas tout de suite. Il meurt un quart d'heure, 20 minutes plus tard. Et je vais terminer là-dessus pour dire que sur la mort de Christophe, il y a 3 poèmes extraordinaires. L'un, c'est Vodaranti, l'autre, c'est Siamanto, et le troisième, qui c'est Irish et Charents. Le plus beau poème qu'on ait écrit sur la mort de Christophe, c'est Irish et Charents en 1931, en plein régime soviétique stalinien, et qui le paiera de sa vie, puisqu'on le prendra pour un Hachnak et pour un nationaliste. Alors, l'opération, malgré tout, va se suivre, et l'attentat aura lieu en 1905, et avec la participation, donc Safo qui prend la tête de cette opération, le Loubina qui est dans la Bangladesh,
dans la calèche, pardon, pour commettre cet attentat. Mais malheureusement, ce jour-là, le sultan discute plus longtemps que d'habitude avec l'imam dans ce l'archevêque. Et donc, comme c'est minuté, parce que les céfédaïs, enfin les révolutionnaires, pendant plusieurs semaines, tous les vendredis, étaient là pour compter les secondes. Et tous les vendredis, c'était la même chose, tout était minuté. Ce jour-là, ce qu'il ne fait jamais, il descend, il va au bout de la mosquée, et il va vers le chef de l'islam, et il parle avec lui une minute 48 secondes. Entre-temps, la minute est partie. Ça éclate, ça fait du statut de 55 jours, au dernier, j'ai pas mal de gens, mais le sultan est indemne. Et c'est toute la question. Alors, voilà. Il y a quelque chose à dire sur Christabel. Il y aura un procès très important par la suite. Safo, il sera puni parce qu'il a échoué dans sa mission. En tout cas, il y aura deux procès. Le procès du Turc contre les congés, qu'on voit dans la réserve, d'ailleurs, dans le mur de réserve, et le procès interne. Alors, il faut dire à la Grégorian qu'il y a un deuxième volume qui accompagne ce fameux livre, donc Christabel Michalian et son temps, dans lequel vous avez. C'est une suite du premier livre sur les personnages. C'est la biographie. Il y a 500 personnages pour lesquels j'ai fait une biographie avec des photos et qui interviennent dans le bouquin de la biographie de Christabel indirectement ou directement. Jaurès, Villard, Longuet, et c'est tout le monde de tous. Une chronologie complète sur la vie de Christabel en particulier, même plus loin que ça. Il y a l'inventaire des organisations de la presse arménienne de l'époque. Il y a un glossaire, c'est-à-dire tous les termes utilisés, et puis surtout il y a 12 pages bibliographiques, c'est-à-dire les fameuses 50 000 pages que j'ai lues pour faire ce livre. Merci à Grégorian. Donc, où est-ce qu'on peut trouver ce livre? Alors, dans toutes les librairies, bien entendu, de France et de Navarre, au cours des soirées qu'ils organisaient des dédicaces, j'en ai déjà fait trois en l'espace de. Depuis qu'il est sorti il y a quelques jours, hein, auprès de la maison éditoriale, bien entendu, dans les librairies, et puis dans les musées de la culture aussi, à l'intérieur de France et de Navarre. Merci. Je rappelle le nom des deux volumes, donc Christabel Michalian et le sultan turc, le grand défi, et puis Christabel Michalian et son temps. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Proposé par Hype FM.